Nous on a ce délire là, il y en a qui trouvent ça un peu puéril. Nous on a ce délire là, le délire de venir pisser sur la flamme du Front National. Yaman, Yaman, ce morceau s'appelle La Flamme. Alors écoute ça, si t'es lâche toute sa rage, je suis anti-facho style. Je sens le chaos, même si ma peau est claire, j'entends les gens hurler. Les fachos, peut-être ces gens-là n'ont pas tort, mais sont en retard de guerre. Les fachos sont là, c'est pour le pas, pour le pas. Ouvre les yeux, regarde les fachos. Les fachos sont là, dans un grand danger, où est-il les histoires. Le bonheur, oui, c'est des pareils. Y'a même un peu dans le temps, quand c'est là, même de merde, même enfant, j'ai même un goût, le même amour de la haine. Thank you.
appel à l'unité. Ceci est notre 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 appel à l'unité. Parce qu'on a le droit d'espérer, non? On a le droit d'espérer. On a le droit d'espérer qu'un jour on sera enfin rassemblés. Enfin rassemblés. Enfin rassemblés. C'est un morceau qu'on aimerait un jour ne plus avoir à jouer. Parce que ce morceau-là s'appelle l'antifachonné. J'ai entendu jusqu'ici une voix qui disait « Ta gueule, arrête de parler !» Désolé, chez Sinsé, on conçoit le truc comme ça. On n'est pas là pour donner des leçons, mais on a un micro et on s'en sert. Si on veut un morceau qui suit, on veut encore s'en servir. Alors on va faire ça clairement. Ricky et Nati, ça s'il te plaît, really wise, really wise. Parce qu'on n'a pas envie de se contenter de venir et dire qu'on veut glisser sur la flamme du Front National. On a envie d'aller un petit peu plus loin quand même. Un tout petit peu plus loin. Je veux dire, si on pense réellement qu'on peut bloquer ces gens-là,
Alors faut passer à l'action maintenant. Il faut qu'on passe à l'action. On veut parler des différentes armes pour lutter contre ces gens-là. On veut parler d'une arme qui s'appelle la communication. C'est une invitation à prendre le temps d'aller vers ces gens-là, vers ces gens qui votent pour le FN. Plutôt que de rester à l'écart, venez, on fait la démarche d'aller vers eux. Venez, on fait la démarche de leur expliquer à quel point ils ont tort. Parce que ça fait des années qu'on dit que le FN c'est le racisme. Et le racisme, ces gens-là, visiblement, vu qu'ils continuent à voter, ils en ont rien à foutre. Mais au moins montrez-leur que quand ces gens-là disent que le FN réglera le chômage, tous les économistes au monde montrent que ces doctrines-là ne règlent en aucun cas la crise dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Que ces doctrines-là ne font que nous envoyer dans le mur, chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Pareil, il y en a peut-être qui connaissent des femmes ou des jeunes femmes qui ont envie d'aller voter pour ces gens-là. Mademoiselle, allez juste leur rappeler que dans le programme du Front National, le rôle de la femme, c'est femme au foyer. Est-ce que c'est ce qu'elle souhaite? Femme au foyer. Donc voilà, juste pour le racisme, ces gens-là devraient être condamnés. Mais ces gens-là, c'est plus que le racisme, c'est la bêtise et la haine sous forme de partis politiques poussés vers le pouvoir. Et il est temps d'aller faire taire ces gens-là. Yes, I. On en profite pour Big Up, l'association Ralfron et toutes les associations qui, chaque jour, luttent contre ces gens-là. Yeah, man. Pour Big Up, tous les gens qui à chaque fois prennent le temps d'aller voter aux élections pour faire chuter le score du FN. Ça aussi c'est une arme, ça aussi c'est une arme, le bulletin de vote. Ok, on va arrêter avec ces gens-là. La dernière chose qu'on voudrait dire, Eric, dis-leur toi. Collabo aux résistants, le combat se joue maintenant. Ça paraît évident, si tu en es conscient. Oh, mais dis-moi ce qu'on attend. Faut jouer le cours de l'histoire pour se réveiller du cauchemar. De malgré qui t'entre ta danse et dans leur pouvoir. Avoir ça c'est dément. C'est dément. Le peu de réaction des gens. Le nombre de bulletins blancs. Le combat se joue maintenant. Merci. On a été un peu long, mais la liberté qu'on a encore aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Le jour où ces gens-là seront au pouvoir, cette liberté-là, on l'aura plus. C'est pour ça qu'on en profite maintenant pour éviter une telle éventualité. Voilà, tout simplement.